Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où tout simplement vous allez démentir tout ce que Zartek a dit. Voilà, c'était une youtubeur, comme vous pouvez le voir, de 230 000 abonnés qui dit que voilà, Siri hack. En gros, aurait menti sur plein de choses, voilà. Comme il dit sur son titre, Siri hack vous a menti sur moi pour les vues. Du coup, voilà, les gars, on va lancer. Voilà, hop, il y a sa petite intro, on s'en fout. Ok, donc tout le monde, les gars, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, les gars, c'est vraiment une grosse vidéo. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on m'a vraiment fait des personnes qui disent que je vole des comptes, les gars, carrément. Là, ça, je sais pas, il y a plein de gens qui ont la haine contre moi et qui carrément ont inventé des histoires au niveau des vols de comptes et plein de choses comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gars, je vous fais cette vidéo. Donc franchement, restez bien du début jusqu'à la fin pour vraiment tout comprendre. Voilà, même les personnes simplement qui croyaient que je volais des comptes et tout. Franchement, les gars, ça m'a saoulé. De base, je devais pas faire cette vidéo, mais je l'ai fait parce que, les gars, voilà, il va falloir vraiment démontrer que toutes les choses que Sirac a dit dans sa vidéo, à ce moment, c'est totalement faux. Du coup, là, j'ai vraiment toutes les informations que lui, il a dit dans sa vidéo, je les ai rendues. Maintenant, j'ai tout, les gars. Donc là, justement, je vais tout vous expliquer au niveau de ce qui s'est passé et au niveau de justement ce qu'on m'accuse, les gars. Parce que c'est vraiment très grave de m'accuser de vol de compte, les gars. Du coup, je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Déjà, je pense. Donc voilà, déjà, pour commencer, les gars, ça parle de vol de compte, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, Sirac a fait une vidéo. Personnellement, je l'ai pas regardé. Mais j'étais sur son live qui est encore en cours, les gars, si vous voulez, je vous montre vite fait. Tac, hop, abonnement. Sous Syriac, je sais pas s'il a arrêté son live. Ah, voilà, je réagis en direct à la vidéo réponse de Zartek. Ouais, les gars. Parce que pas mal de personnes ont réussi simplement donc à me connaître grâce à l'astuce pour avoir tous les skins sur Fortnite. Donc on m'accuse simplement de pas. Ouais les gars, tout simplement, déjà rien que pour commencer, l'astuce pour avoir tous les skins sur Fortnite, c'est temporaire seulement. Voilà les gars, je précise, c'est temporaire. Ça ne restera pas sur vos comptes tout le temps. Montrer la technique alors que je l'ai bien montré en live. Voilà, je n'ai pas, c'était pas moi qui l'ai montré. J'ai envoyé tout simplement donc un tuto anglais. Donc, les personnes qui n'avaient pas compris, j'ai aussi envoyé à la fin du live simplement donc le live de tactique. Donc, la tactique avait bien expliqué donc à la fin. Donc, là, donc ça, je comprends pas pourquoi les personnes disent que je n'ai pas montré la technique alors que je l'ai bien montré. Donc, franchement, ça cause ça me saoule aussi un petit peu. Donc, là, c'est un petit peu passé, mais voilà, il m'a quand même accusé de ça. Donc, ça m'a un petit peu saoulé aussi, les gars. On me dit tout simplement que je fais du putaclic. Du putaclic, c'est-à-dire, simplement, je sais pas, imaginons une vendeuse, voilà, une commerçante, voilà, qui est en train de vendre des vêtements. Pourquoi en fait elle va pas montrer en fait ses vêtements les plus beaux en fait dans sa vitrine? C'est comme si on disait ça. Alors ça veut dire que les vendeuses aussi font du putaclic. Je sais pas, c'est ça me saoule aussi un petit peu d'avoir cette remarque. Alors que simplement c'est, je sais pas, tu vas faire une vidéo, tu vas faire, imaginons, une information sur Godzilla, bah tu vas mettre Godzilla en miniature, tu vas mettre Godzilla simplement en titre et tout, c'est un petit peu normal. Et pour moi, je trouve ça pas du putaclic. Mais bon, après, voilà, chacun fait son avis, ça, après c'est... Moi les gars, je vais vite fait de mon avis sur le putaclic. Le putaclic, c'est, je vais pas vous le cacher, je vais carrément vous montrer un exemple très concret. Voilà, tac, je vais sur ma chaîne YouTube. La mienne, hein. J'avoue, il y a des titres très putaclic. Regardez. Pour moi, du type putaclic, c'est quand je fais ça. Un titre comme cela. Je joue avec vous, point d'exclamation. Ça, pour moi, c'est du putaclic. Je l'avoue, je fais du putaclic moi-même. J'essaie d'attirer le plus possible l'œil de mes abonnés. Voilà, les gars, je l'avoue. C'est comme ça. Du coup, les gars, on va continuer. Chacun fait son avis comme je viens de le dire. Aussi les gars, on m'accuse de raid dislike, les gars. On m'accuse simplement de prendre des comptes. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des raid dislike, en gros c'est de prendre, de fait, imaginons un bot, voilà, un bot, et de simplement que le bot, bah le robot, donc dislike les vidéos d'une personne en particulier. Donc imaginons, je sais pas moi, Sirac, je demande voilà à mon robot d'aller dessiner ou d'aller le mettre des dislikes, et de simplement voilà, ça va y mettre des dislikes. Alors que moi j'ai jamais fait ça, et simplement j'ai aucune raison à faire ça, voilà. Voilà, donc, je sais pas, il faudrait me montrer des preuves que c'est moi qui red dislike, parce que là, franchement, je comprends pas. Ouais, une chose que je comprends pas déjà, en plus, c'est pourquoi, comme par hasard, dans son exemple, il parle de Syriac, alors que justement, qui c'est qui l'accuse de red dislike? Syriac. Moi je dis,
Voilà, rien que ça, après, j'avoue, c'est pas très concret comme exemple, mais voilà. Donc voilà. Aussi, les gars, on me dit, ouais, tu bannes Syrah, tu bannes Brisbane Bryce, je sais pas quoi. Voilà. Je sais pas, c'est même pas moi qui ai ban, c'est mes modos, parce que moi j'ai des modos, et tout sur mon Discord, c'est un petit peu normal comme tout le monde. Hein, voilà, là en plus j'ai 16 000 personnes sur mon Discord, c'est un petit peu normal que voilà, je sais pas, c'est un petit peu normal qu'il y ait des modos qui bannent quelques personnes. Et du coup, voilà, après, je sais pas, moi c'est. Imaginons mon modo, il banne celui-là, bah il banne celui-là. De toute façon, voilà, c'est comme moi, franchement, mes modos, je les laisse toute la liberté. Et après, de toute façon, moi, j'ai le droit d'accepter qui je veux. Je sais pas, si j'ai pas envie d'accepter des manipulateurs, voilà, je les accepte pas. Puis tout simplement, voilà, il y a aucune histoire à avoir là-dessus. Donc voilà, c'est encore une chose en plus pour rajouter du temps à sa vidéo. Et voilà. Aussi les gars, donc j'avais envoyé un petit MP Twitter, donc à Cyriac, donc là j'avais envoyé tout simplement pour faire une vidéo skin Michou, parce que je trouvais vraiment bien ce concept, et je voulais refaire le même sur ma chaîne YouTube, parce que franchement je trouvais ça trop cool de créer un skin avec tout simplement un YouTuber dessus, et franchement je trouvais ça vraiment bien. Donc les gars, je vais mettre une petite pause vu que là il y a une pub. Il est plus sur Twitter mon compte. Et il a été soigné donc il n'y a pas longtemps, alors que le MP j'avais envoyé il y a quelques mois. Donc voilà, donc ça me saoule un petit peu de dire tout simplement que voilà, dire il n'était pas d'accord ou je ne sais quoi. Voilà, il y avait comme répondre. Et en plus les gars, je l'ai crédité et tout, c'est encore un truc en plus à me dire sur moi, parce que voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur moi, donc ouais, il est obligé tout le temps de mettre des trucs en plus. Et surtout les gars, ils ont créé un Twitter, voilà, sûrement parce que comme mon compte Twitter, donc tout simplement n'est plus sur Twitter, mon arrobase n'est plus sur Twitter, voilà, c'était arrobase. Maintenant, simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un compte. Voilà, donc lui et son ami Brice Bebrice, donc c'est-à-dire Syrah et son ami Brice Bebrice, ont créé donc ce compte pour carrément me rabaisser et pour, bah, tout le monde, bah, voilà, me vraiment. Ok, donc là, gros, gros, gros fake. Le mec, je suis sûr, hein, il a même pas cherché à comprendre. Il a vu un compte fake sur lui ou je sais pas trop quoi. Il s'est directement dit, c'est Cyriaque. Il a même pas cherché à comprendre. Les gars, le compte, je sais pas s'ils l'ont mis quelque part. Je regarde juste s'il a mis de à signaler fake. Voilà, les gars, on va y aller, ok? On va cliquer dessus. Moi, je sais ce qu'il y a dessus, hein. Regardez. J'ai une preuve que c'est pas Cyriaque. Tac, on va pas s'inscrire par contre. Ok. Voilà les gars. Alors là c'est le compte. Voilà le compte. Hein, c'est lui qui a dit voilà. Zartek n'est pas honnête. Voilà. Ce compte Twitter. Alors déjà. Voilà on descend. Donc voilà les gars, si vous voulez, vous pouvez lire au passage coucou du lac de voilà, PTDR, je suis mort Zartek, qui dit que le compte appartient à Cyriac ou à Brice Brebrice, enfin je sais pas trop comment ça se prononce. Et là, sur le live, en fait, il y a Cyriac, il a dit celui à qui appartient le compte, voilà donc le compte du coup Zartek n'est pas honnête. Voilà, donc on lui a dit, mets un commentaire. Celui à qui appartient le compte. Voilà, donc là, il y a marqué hein. C'est pas Cyriaque et Real Chimpi. C'est Real Chimpi, mon vrai compte. Voilà. Tac, il l'a mis il y a 24 minutes. Donc, du coup, les gars, 30 secondes, je vais vous mettre. Donc, du coup, les gars, je vais mettre pause sur le live. Et je vais aussitôt, du coup, vous montrer la partie où Cyriaque demande de mettre un tweet. Du coup, les gars, heureux, j'ai retrouvé la partie où ils vont montrer les preuves. Du coup, voilà. Twitter. Bon, arrobase n'est plus sur Twitter, voilà, c'était arrobase Twitter. Maintenant, simplement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un compte. Voilà, donc lui et son ami Brice. Quoi? On a créé un compte? Attends, attendez, attendez. C'est notre compte, les gars. On a créé un compte Zartek pour le troll, hein. Ouais, on va aller voir, hein. Regardez, les gars. Twitter.com /Zartek. Il me semble que c'était ça, son Twitter. Hein. Voilà. On a reçu une mention de ce compte. Et dans la description de ce compte, il est bien que ce compte Twitter n'appartient pas à un Syriac ou Brice Bébrice ou autre. Donc Voilà. déjà, des arguments détruits Zartek. Je me serais pas fait chier à créer un compte comme ça. Au passage, coucou le lac de Syriac. Voilà, regardez le gars, c'est pas moi! Je l'aurais fait! C'est Nina Top! Le mec, il tweet en direct. Ça peut pas Bah être oui. moi, sinon j'aurais pris mon téléphone qui est là, mon téléphone il est là-bas, il me servait de cam avant. J'aurais pris mon téléphone, j'aurais fait discretos.
Regardez! Du merde, quoi. C'est pas... vraiment pas écrit. Bon, les gars, il... voilà, il prouve et regarde la partie après. Non, mais. Oui, c'est écrit que c'est pas moi. Et encore, si ça aurait été moi, j'aurais pu moi-même écrire, mais c'est pas ça. Regarde, c'est pareil sur son Instagram. Hein. Sur son Instagram, c'est pas moi non plus. Hein. Bah oui. Ah, bah, Instagram, Instagram il a sauté. Ah non, c'est tiré du bas, je crois. Sur Instagram. Ouais, c'est tiré du bas. Regardez, quand on va sur le truc, c'est pas moi. Le compte, il a été aussi pris. Et si Zartek n'est pas honnête, il y a nos trois vidéos, Raifid, Brice et moi. Et lui, par exemple, il en parle pas. Hein. Et soi-disant, c'est moi. Bon, ok, c'est comme le dislike, on va dire que c'était lui. Et voilà, c'est sûrement de ma faute, ces comptes. Voilà, c'est vraiment une grosse utilité. J'avais vraiment besoin de faire ça pour me paraître drôle sur Twitter. Non, c'est vrai. C'est vrai que ses arguments, c'est pas c'est lui. Bah, qu'est-ce qui te prouve que c'est moi, alors? Tu vois? Oui, voilà. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucun screen, il n'y a rien. Quoi. Le mec, il parle juste de moi. Les gars, attendez. Et après, il dit que je fais pareil. Ah, les deux premiers abonnements, bah, c'est de notre faute. C'est Bryce, mais Bryce. Non, mais attends, t'as entendu ce qu'il vient de dire? Bah, c'est Bryce. Following, et il dit, c'est nous deux, et du coup, c'est notre faute, ça nous appartient. Les gars, ça arrive, attention. Attends. Si vous voulez, je vous rencontre tweet deck, mes historiques de connexion Twitter. À aucun moment, je peux connecter un compte qui s'appelle Zarpicture. Donc, les gars, je continue à avancer. Mets un tweet maintenant en mode ouais, c'est pas Sirek. Tu peux même dire ton pseudo, j'en sais rien. Un truc pour bien prouver que c'est pas moi parce que les gens vont pas me croire. Il y a un moment, j'ai même aucun accès. Je sais pas comment je pourrais prouver que j'ai aucun accès en fait. Ça devient de ma faute, tu sais. Genre... Mets le lien de ce compte, bah, ce faux Twitter. Ouais, franchement, il signait en masse ce compte de Twitter. Voilà, si tu veux, va le signaler. Qui est écrit sur moi, qui c'est pas baisse, voilà, de plus en plus. On voit donc tout ce que je veux faire, c'est que vraiment, je vais faire ça. C'est la commu, hein. C'est la commu qui a créé ça. Donc, ça, c'est pas de ma faute. Et voilà. Donc, il y a les photos. Du coup, ça, c'est bon. Après, les potes, là, on va passer au point le plus grave. Ah, le point le plus grave, les amis. Bon, du coup, voilà. En gros, voilà, il s'est prouvé, les gars, c'est officiel. Ce n'est pas lui tout simplement les gars, donc voilà, si vous croyez pas Cyriac, bah allez sur son live, voilà, si vous regardez la vidéo on doit aller autour de 17h, voilà, n'hésitez pas à les regarder. Bah, voilà, mais vraiment me réexcuser toujours de plus en plus. Bah, du coup, il y a ceux qui ne croient pas, allez regarder la rediffusion du live et vous verrez bien. Bah, vous tapez Cyriac et voilà, vous cherchez. Voilà, il a créé un compte. Et comment savoir, les gars, que c'est lui? C'est tout simplement les deux premiers abonnements. Zartek, c'est pas Cyriac qui a fait le compte, alors que c'est bien Twitter. Voilà, franchement, il est signé en masse. Du coup, on va passer à ce qui est après. Je vais créer mon Twitter et de tout pour mettre mon petit arrobas Zartek Twitter. Et voilà. Ok les potos, du coup ça c'est bon. Après les potes, là on va passer au point le plus grave qui a été dit sur moi. Les comptes qui ont été volés par mes... Bah, moi j'ai volé des comptes, voilà, c'est vraiment ce qu'on me reproche. Alors que j'ai jamais volé aucun compte à un abonné qui que ce soit. J'ai jamais volé à personne. Aussi les gars, donc ma chaîne a été supprimée pendant quelques jours. Donc à part Cyriac, donc là je me suis fait supprimer par lui. Et du coup, bah, j'ai été voir YouTube, je me suis expliqué et tout. Et... Juste les gars, un truc. Comment Cyriac aurait pu supprimer sa chaîne YouTube? Il aurait pu signaler, mais il n'aurait pas pu supprimer. Pourquoi? Car il n'est pas modérateur sur YouTube, tout simplement. Du coup, les gars, on va continuer. Du coup, mais ma chaîne YouTube n'a même pas été supprimée pendant même pas une journée. C'est tout simplement, en fait, voilà, parce qu'en fait, les gens m'avaient accusé de vol de compte, donc c'est pour ça que je m'étais fait supprimer ma chaîne. Et du coup, directement, j'ai été voir YouTube, j'ai tout simplement tout expliqué, les gars. Et du coup, bah, ils m'ont directement débanné, donc c'est encore une raison pour dire que c'est fake. Tout ce qu'il vous dit, en fait, c'est totalement... Voilà, aussi, les gars, attendez. Juste, voilà, il dit, j'ai été voir YouTube, ils m'ont directement débanné. Et je précise, à ce moment-là, il y a eu 3 comptes de ban. Je ne sais plus exactement lesquels. Et si c'est pas lui qui a été les voir, j'en suis quasiment certain. Pourquoi les gars? Parce que tout simplement, tous les comptes qui ont été ban, donc les 3 comptes, ils ont été déban en même temps. Donc ce n'est pas possible. Donc on continue. Niqué en fait. Et du coup, voilà, c'est pour ça que aujourd'hui, je vais vraiment tout vous dire. Donc, voilà, donc je vais tout vous expliquer maintenant. Donc en gros, c'était un abonné tout simplement qui nous donnait des skins modés. Donc avec tactique. Donc, voilà, donc lui, il nous avait donné, ça faisait les 2 jours, voilà, qu'on connaissait.
nous avait donné tout simplement à peu près 20 skins depuis la veille. Donc ce qu'on avait pour le remercier, on avait fait une petite pub au niveau de son Discord, donc il y avait à peu près 100 personnes qui avaient rejoint son Discord. Voilà, parce que voilà, moi j'avais 16 000 personnes sur mon Discord. Bah. Aussi, petite précision, ce n'est pas possible de donner des skins modés, car tout simplement déjà, les skins modés, c'est les fichiers du jeu qui ont été changés. Et ensuite, voilà, un skin que vous avez dans votre casier, vous pouvez faire le test, on ne peut pas le donner. Donc du coup, on va encore continuer avec ce gros mec qui fait du fake. Non, pas à ce moment-là, j'avais 12 000 personnes. Mais voilà, en gros, il y avait fait une pub sur son serveur Discord. Et en fait, il a profité, les gars, pour arnaquer mes abonnés. Mais heureusement, en fait, que voilà, on peut pas arnaquer, en fait. C'est vraiment, entre guillemets, vol, vraiment, entre guillemets. Parce qu'en fait, souvent, quand on a un compte, imaginons l'email et le mot de passe, simplement, on peut pas changer le mot de passe ou même l'email. Parce que, notamment, il faut avoir accès à la boîte mail. C'est-à-dire que, notamment, il n'a pas arnaqué aucun abonné parce que, notamment, tout le monde a réussi à récupérer leur compte. Et ben, il n'y a eu aucun problème là-dessus. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi les personnes. Pareil, gars, je veux pas dire, mais en commentaire, dites-moi, tous ceux qui ont le même mot de passe. Regardez, moi, par exemple, si je vous donne le mot de passe de mon compte Epic Games, vous allez avoir accès à ma boîte mail parce que moi, j'ai exactement les mêmes mots de passe pour ma boîte mail et le compte Epic Games. Donc, déjà, rien que ça, enfin, voilà, le mec, il a juste à être un peu intelligent parce que souvent les gens n'ont pas forcément le réflexe de mettre un différent mot de passe que sa boîte mail. Donc du coup on va encore continuer. Ça me dit ce qu'on a, voilà. Regarde, du coup on va continuer. Pour faire simplement des vues, hein, c'est vrai, voilà, c'est encore plutôt que tu fasses des vues. Donc franchement je comprends pas ça, voilà, ça m'énerve vraiment beaucoup parce que notamment on dit ouais ils volent des comptes, tu sais quoi. Et alors que moi, qu'est-ce que j'en ai vraiment à foutre de voler des comptes, les gars? J'ai un compte. Les gars, je tiens à préciser qu'il a dit que c'était pour faire de thunes. Il a fait 6000 vues. Il a fait 6000 vues. Et j'ai pas vérifié, mais il a dû faire quelque chose de 6000 vues. Et en gros, le mec, tu sais, il s'est pas fait 5000 euros. Comparé à lui, le mec, tu sais, il fait un live de 2 heures. Il a un don de 1000 euros. Donc voilà. Après, enfin bref, c'est pour faire de la thune, comme il dit. Même si lui, il a gagné 1000 euros dans un live de 2 heures, mais vas-y, tranquille. Euros, j'ai des astuces pour notamment avoir des skins modés, pour avoir tous les skins du jeu. Et donc, pourquoi, en fait, je volerais des comptes, voilà. Pareil, ces astuces, en très grosses guillemets, c'est du n'importe quoi. En gros, ces astuces, ils changent les fichiers du jeu. Et du coup, c'est totalement temporaire. Il y a rien de qui reste. Expliquez-moi dans les commentaires. Est-ce que j'ai une raison pour voler des comptes alors que moi je suis là pour faire ma petite vidéo, pour kiffer, pour vous faire kiffer. Et voilà, je comprends toujours pas pourquoi ils ont dit ça. Après aussi, il dit que je ne peux pas donner mes... Juste les gars, pareil, parenthèse, il dit pour vous faire kiffer. En gros, le mec, c'est juste un gros suceur de queue de ses abonnés. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Bah, je sais pas. Je sais pas, le mec, en fait, c'est n'importe quoi, sa vidéo, il s'enfonce seulement. Du coup, on va continuer. Je ne peux pas donner rien. Et vas-y mon pote, tu peux donner des skins modés, donc voilà, par l'intermédiaire des fichiers textes, donc les fichiers textes qui sont simplement les codes d'affichage. Voilà, c'est ce qu'il dit. En gros, ces astuces, soi-disant, c'est les fichiers. En fait, ils changent les fichiers textes. Après, ils donnent ce qu'il faut mettre, en gros, les fichiers textes à ses abonnés. Et en fait, c'est même pas lui qui les donne, vu que c'est ses abonnés qui le font, qui changent les. Comment ça s'appelle déjà? Les fichiers du jeu. Donc du coup déjà lui il donne R et voilà justement en fait ça c'est temporaire. Donc du coup ouais, bah, voilà on va continuer à l'écouter. Et du coup voilà je peux bien donc avoir donc les fichiers texte et leur donner pour simplement qu'ils les changent par la suite sur leur jeu. Donc, c'est-à-dire voilà les codes d'affichage a changé, voilà, de toute façon toi tu connais. Et du coup voilà il y a plein de en fait les skins modés simplement c'est des affichages en fait des petites textures, des matériels qui ont été changés au niveau des fichiers du jeu. Et du coup, bah, moi, je donne les fichiers textes et en aucun cas, j'ai déjà dit que notamment, je leur faisais. Moi, je ne l'ai jamais fait à aucune personne. J'ai donné les fichiers pour qu'eux, ils font savoir sur leur compte. Donc, voilà. Donc, quand on m'accuse... Alors, juste, les gars, si je suis pas débile, moi, j'ai dit qu'il les donnait. Là, il vient de dire qu'il les donnait pas. Mais si je crois, si je ne me trompe pas, il n'y a même pas 10 secondes, il a dit qu'il les donnait. Mais bon. Encore une chose comme ça, alors que toi, tu sais déjà les réponses. Arrête de faire le gars en mode ouais, tu sais pas, alors que tu sais très bien.
Donc voilà. Aussi les gars, on me dit donc un très vraiment un gros dernier point les gars sur les skins modés que Cyrac donne à Shadow Pass les gars. Donc c'est vraiment c'est du très 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 lourd parce qu'il y a personne qui dit ça. Et moi tout simplement, bah voilà, je me suis dit, c'est bon, on m'a énervé, bon maintenant je vais dire la vérité sur eux aussi. Parce que là c'est bon, ça m'a saoulé. Surtout que moi on dit des fausses vérités, donc là ça c'est encore pire, les gars. Donc voilà, du coup les gars, Shadow Pass, c'est très bien que les skins qui a tout simplement dans ses fichiers du jeu, c'est lui qui les a modifiés en fait avant qu'il fasse sa vidéo, c'est lui qui a changé. Alors les gars. J'ai pas de preuve que c'est pas Shadowbass qui les a changés. Ça, c'est vrai. J'ai que la parole de Cyriac. Mais le mec, déjà, quand il l'a dit dans son live, dans le live de Twitter, ça se voit bien. C'est vrai, quoi. Il a bien dit, grâce à un logiciel, pendant qu'il mange et tout ça, lui, il change les fichiers du jeu sur l'ordinateur de Shadowbass. Donc, ça veut dire Cyriac a accès à l'ordinateur de Shadowbass et change les fichiers du jeu. Donc du coup, on va continuer à regarder. Les fichiers du jeu et qui a mis simplement son skin donc, sur son compte. Donc là, imaginons, il met le skin Thanos. Bah, c'est lui qui a mis le skin Thanos sur son compte. Donc il sait très bien simplement à quoi ressemble le skin. Donc c'est très bien simplement la réaction. Bon, pareil, même truc que tout à l'heure. En gros, j'ai aucune preuve. Hein. Ça, je l'avoue. Enfin, à part la parole. Et moi, je fais confiance à Cyriac. Du coup, au fait, genre, avant de faire leur vidéo, tu vois, ils se disent, bah vas-y, je vais changer tes fichiers du jeu, mais il dit pas qu'est-ce qui va changer, il dit pas les skins qu'il va mettre. Qu'il va avoir et tout. Donc les réactions sont totalement fake. Donc c'est-à-dire que les vidéos sont totalement. En fait, voilà, il met des skins. Alors lui, en fait, il sait quel skin il a mis. Et en fait, après, il fait croire que, ouais, ah, OMG, il y a le skin sur mon compte. C'est quoi ce bordel? Cyriac, t'as mis le skin sur le compte, OMG, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est totalement fake. Les skins, simplement, c'est lui qui les a mis, donc avant de faire la vidéo. Et simplement, après, il fait croire que c'est Cyriac et tout. Alors que c'est Cyriac qui a donné juste le fichier du jeu, voilà, qui a donné juste, en fait, les lignes de code à changer au niveau des affichages. Et voilà. Ok, les potos. Donc après aussi, donc j'ai un dernier point. Voilà, donc franchement, c'est son seul but, les gars, de faire cette vidéo, donc là, d'avoir fait cette vidéo, son seul but c'était de me rabaisser, et voilà, en fait, voilà, c'est surtout qu'il a la haine, parce que c'est un gros rageux, parce que de toute façon, voilà, on a fait une grosse chaîne, on a gagné 50 000 à 60 000 abonnés en 2 jours, donc c'est pour ça que tout le monde a la haine contre moi, donc franchement les gars, vous faites pitié, pour ceux qui ont la haine, franchement, vous faites pitié de fou, et donc voilà, du coup maintenant, quand on me traite de cancer, alors que lui, c'est totalement un cancer, à faire genre, donc avec Shadowbass, à faire des vidéos totalement fake, avec des réactions totalement fake, voilà, tout simplement, c'est vraiment, voilà, tu devrais vraiment pas l'ouvrir mon pote, voilà, en faisant des vidéos comme ça, et tout simplement, à mentir à votre communauté, tout simplement, vous devrez avoir honte, voilà, à mentir à votre communauté, en mode, ouais, OMG, le skin et tout, alors que vous savez très bien quel skin vous avez mis juste avant. Ici, juste, les gars, petite parenthèse, alors, tout à l'heure, je me suis trompée. Pour les dislikes, je sais plus quoi, là, le bot avec les dislikes. Ça, quand j'ai regardé le live, voilà, il s'est trompé. J'ai oublié de le préciser. Et je m'en excuse, voilà, d'avoir oublié ça, parce que c'est quand même important. Mais le mec, il a avoué quand même qu'il s'était trompé. Ce n'était pas lui. Donc, du coup, voilà, les gars, faut arrêter d'abuser. Le mec, il assume quand même à ses abonnés ses erreurs, voilà. Donc franchement, vous, franchement les gars, vous devrez même pas l'ouvrir. Surtout, voilà, moi j'ai rien contre Shadowbass. Juste voilà, il y a Cyriac, il dit des fausses trucs sur moi, bah voilà, je suis obligé de dire des trucs. Donc s'il faut les gars, voilà, je peux toujours donner plus de choses sur eux. Et donc voilà, du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc cette vidéo, simplement c'était juste... Ouais les gars, en gros c'est un inciteur à la haine, voilà. Et voilà, il met les gens à dos. Donc du coup, voilà les gars. Si vous voulez, les gars, je vais peut-être faire un épisode 2. Les gars aussi, dites-moi si vous voulez que je fasse une série où je fais des news et tout ça. Je parle des news. Du coup les gars, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et n'hésitez pas à partager la vidéo.